mystère. Puisqu'avec ses camarades des Inconnus, évidemment, Campan avait déjà réalisé quelques films, mais là, c'est son premier film en tant que réalisateur solo. Un film très émouvant, je dois dire, très particulier, très, très intimiste aussi. Un film dans lequel vous n'avez pas le principal rôle, puisque Bernard Campan s'est réservé cette place-là. Je ne sais pas si d'ailleurs il avait pensé dès le départ, il vous l'a raconté, s'il avait l'intention de jouer dès le départ le rôle principal. Ah oui, il a été très clair, il m'a téléphoné, il m'a dit, bah, voilà, donc j'ai un projet à te proposer. Donc c'est Karine Viard qui va jouer donc le protagoniste féminin, et puis moi je vais jouer le rôle principal masculin, et puis toi je te propose le deuxième rôle, voilà. Et alors j'ai dit, bah écoute, envoie-moi le scénario, je vais le lire, et de fait j'ai beaucoup aimé le scénario, donc j'ai eu envie de faire partie de l'aventure. Alors c'est le Bernard Campan, disons-le tout de suite, qu'on connaît un peu plus depuis 2 ou 3 ans, celui qui tourne dans des films un peu plus d'auteur, le Campan un peu plus intimiste. C'est un film sur un couple qui vit ensemble depuis combien de temps, à peu près? Oh, je ne sais pas. C'est pas dit. C'est pas vraiment dit, non. C'est un On couple... a quand même l'impression qu'il y a une usure qui s'est installée dans ce couple. Oui, il y a un manque de regard, il y a une usure, il y a peut-être... Oui, enfin, il y a tout ce qui se passe dans la vie. Le sujet, c'est sur... On peut dire, je vais résumer la chose, on ne connaît jamais bien l'autre. Oui, c'est ça, oui, effectivement. C'est ce que Bernard aimerait qu'on dise. Effectivement, on ne connaît jamais vraiment l'autre. Et puis, je pense aussi qu'on est souvent... peut-être omnubilé par ses propres quêtes existentialistes, et puis finalement on voit pas que l'autre est en train de déraper, dévisser d'une certaine manière, voilà. Et ce qui est bien conduit dans le film, si vous voulez, c'est que, en tout cas moi c'est le sentiment que j'ai eu à la lecture de ce scénario, c'est que en fait on pense pas forcément que ça concerne une personne en particulier dans l'histoire. Oui, j'allais vous le demander. Est-ce qu'on peut dire si c'est Karine Viard ou si c'est Bernard Campan qui a une face cachée? Oui, qui a une face cachée, voilà. On ne peut pas le savoir. C'est suffisamment bien écrit pour justement le dissimuler, tout en n'étant pas chiant, au sens où finalement, aussi on donne des petits indices, mais c'est des indices très subtils. Regardez la bande-annonce de La Face Cachée qui sort, attention, ce n'est pas mercredi prochain, c'est le 19 septembre prochain. C'est le réveil qui me fait peur. C'est surtout le réveil. Est-ce qu'il te plaît? Écoute, c'est toi qui vois, moi ça m'est égal. Tu sais, il y a des fois, j'ai l'impression que la vie se déroule sans moi. Bien sûr, tu veux pas de côte de bœuf avec moi? Non, non, j'ai envie d'essayer autre chose. Comme s'il y avait moi d'un côté et la vie de l'autre. Les 250 familles les plus riches du monde gagnent 7 fois plus d'argent que les 50 pays les plus pauvres. C'est fou, non? J'ai pas compris. Est-ce que t'as envie de me quitter? J'aime pas quand tu fais ça. Pourquoi tu penses ça? Comme ça? Je peux plus continuer comme ça. On se prend un petit rosé? Comme tu veux. Je peux plus. Celui-là? Comme tu veux. Faire semblant. À tout à l'heure. Tout à l'heure, mon cœur. Je me sens monstrueuse. Elle a besoin de preuves d'amour. Faut que tu te manifestes plus souvent. Voilà. Tu prennes soin d'elle. Avant, t'avais un petit grain de folie, quoi. T'étais imprévisible. Bon, je sais bien, on prend de l'âge. Hein. Oh! T'as pas eu le message? Si, mais ça captait pas du tout là où j'étais, ça. Tu te fourvoies, comment dire, avec Babette, toutes ces niaiseries, ces ricanements, ces trucs, ces conneries, c'est pas ça, vivre! Je me sens plus vivante, juste un fantôme. Je suis au bord d'un gouffre. Et si je fais un pas de plus, je tombe. Étonnante comédienne, pardon, je ne vais pas parler de vous ni de Campan, mais parlons juste 2 secondes de Karine Viard, parce que alors, quelle comédienne, fait partie des meilleures comédiennes françaises, Christiane Reali, pardon de dire ça, mais j'imagine que vous partagez cet avis. Bien sûr, j'adore. Étonnante à chaque fois. Alors, c'est la première fois que Campan réalisait en solo un film. Vous avez une fois réalisé votre propre film. Est-ce que quand même vous l'avez... Aider dans la direction d'acteur, comment ça s'est passé? Il paraît que ça n'a pas été si facile que ça. Lui-même, Campan, raconte qu'il a été très très exigeant avec vous. Oui, oui, il a été... qui croit? Non. Non, mais il a été... il était précis, il était... Il vous a harcelé. Il était très, très angoissé. Oui, enfin, je trouve que le mot est un peu fort. Non, je pense qu'il avait besoin de se sentir à l'aise avant tout lui-même à l'intérieur des prises. Donc en fait, parfois, il redemandait des prises, mais plus pour son confort que pour le mien. Alors, vous ne connaissiez pas très bien, j'imagine, peut-être même pas du tout avec Bernard Campan? Non, pas du tout. Et pourtant, vous veniez de la même région, paraît-il. Oui, on est Tourangeau tous les deux, oui, voilà. Absolument. Mais vous ne vous connaissiez pas à l'époque?
Non, pas du tout, mais il avait un groupe de musique. Moi, je faisais partie d'un petit groupe de musique aussi à l'époque. Et quand il m'a dit, quand on s'est rencontrés, le nom de son groupe, j'ai été stupéfait de me rendre compte que je me souvenais de l'existence de ce groupe. Mais on ne s'était jamais côtoyés. Vous, c'était les Gypsies, lui, c'était les Cristals, c'est voilà. Ça. C'était pas deux bandes rivales, quand même. Non, pas du tout. On faisait des petits tremplins dans la région. Mais vous êtes donc vu beaucoup pendant les mois qui ont précédé le tournage. Oui, parce que je pense que aussi Bernard en avait besoin. C'était pour lui un challenge très particulier parce que. Effectivement, il avait participé à d'autres films en tant que co-réalisateur, si j'ose dire, avec Didier Bourdon. Mais c'est vrai que celui-là, il le prenait vraiment en main, tout seul. Et là, vraiment, il se démasquait vraiment totalement. Donc, c'était quand même très, 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 très... Il appréhendait, quoi, voilà. Mais il est parvenu parfaitement. Il a fait un travail formidable. Alors ça, vous avez plus de scènes avec Campan, puisque vous êtes son meilleur ami qu'avec oui. Karine Viard. Oui. Mais quand même, un mot sur Karine Viard, cette comédienne que je trouve incroyable. Oui, alors, Karine, si vous voulez, moi, l'approche que j'ai un peu de cette femme, c'est qu'elle est très... elle semble très, très détendue, très, très relaxe. Elle fait du sudoku entre les prises. Elle est... voilà, vous voyez apparemment, elle semble très, très détendue sur le plateau, mais je pense que ça dissimule une certaine nervosité tout de même et que c'est quelqu'un de très profond, de très inquiet, très anxieux. C'est en tout cas, à mon humble avis, le rôle le plus fort du film, quand même. Ah oui, tout à fait. Mais tout à fait. Mais moi-même, quand j'ai vu le film, j'étais très, très admiratif devant le travail de Karine, qui le joue d'une façon extraordinairement subtile. Alors c'est justement l'angle avec lequel j'avais envie d'aborder votre filmographie à vous, Jean-Hugues Anglade, vos partenaires féminines à l'écran. On va pas faire tous vos films, mais j'ai besoin juste d'un mot, d'une phrase ou d'un souvenir sur ces partenaires que vous avez pu croiser lors des différents tournages. On va commencer avec Isabelle Adjani, que vous avez croisée, je crois, par deux fois. Il y a eu Subway, il y a eu la Reine Margot. Sur la Reine Margot, ça a été vraiment... On a vraiment fusionné. Elle jouait ma sœur dans le film. Quand vous recevez le César, d'ailleurs, parce que vous avez eu un César pour ce film, vous dites merci, petite sœur. Oui, parce que vraiment, elle a été extraordinairement chaleureuse. J'avais quelques morceaux de bravoure. Donc voilà, j'ai que des belles choses dont je me souviens. Voilà. Béatrice Dalle. Alors là, c'est évidemment le film qui vous colle à la peau depuis des années maintenant, 37-2. Ben, Béatrice Dalle, elle s'inscrit à l'intérieur de ce qui représente pour moi la plus belle aventure de cinéma, si vous voulez. C'est arrivé au bon moment, à 30 ans. C'est un film. Qui a été un pur bonheur du début à la fin. C'était Béatrice au tout début de sa carrière, c'est-à-dire tellement fraîche, tellement vierge. Vierge, oui, c'est vrai. ça vous fait rire quand je dis ça. Oui, elle l'était pour le cinéma. Cinématographiquement parlant. Et donc, voilà. Et donc, ça a été... C'est mon plus beau souvenir, 37, de toute façon. Oui, un film que j'ai adoré, peut-être un peu moins connu que ceux dont on vient de parler, c'est Maladie d'amour, un film avec Natasha Kinski. Alors, un mot sur elle. Alors, elle, c'est la comédienne la plus douée que j'ai rencontrée. C'est une personne totalement sauvage, elle est très, très difficile à contrôler, mais elle a une vérité. Alors, évidemment, ça ne sort pas tous les coups, mais quand ça sort, c'est extraordinaire. Dans un film de Michel Deville, vous avez croisé, plus que croisé, Marie Trintignant. C'était Nuit d'été en ville. C'est la lascivité, Marie, c'est un autre rythme. Quand on joue avec elle, Dieu sait pourtant si on parlait beaucoup dans ce film, mais avec Marie, il y avait une espèce de... Enfin, on était toujours un peu en slow motion, c'était toujours une sorte de ralenti, puis cette voix qui était très rassurante, très agréable. C'est une fille que j'ai, avec qui j'ai eu l'occasion de retravailler après sur Les Marmottes. Et c'était plaisant, c'est bien, bien triste, voilà. Alors plus curieusement, je l'ignorais, d'ailleurs je suis passé à côté de ce film, peut-être je ne suis pas le seul, vous avez joué aussi avec Angelina Jolie dans Taking Lives d'Esther Violet. Mais si, j'étais venu vous le présenter à votre autre émission. Ben, je ne l'avais pas vu. Mais si, si, absolument. Non, mais je n'avais pas vu le film. Ben écoutez, Angelina Jolie, c'est vraiment une personne... Alors je vais encore dire que du bien, parce que c'est une professionnelle extraordinaire, c'est une fille extrêmement douée. C'est une fille beaucoup moins glamour et beaucoup moins sophistiquée sur un plateau qu'elle ne peut l'apparaître sur les... On a l'impression quand même qu'elle est... Oui, elle en fait beaucoup avec sa bouche. Mais Ah oui, ça y est, maintenant je me souviens, c'est vrai que vous étiez venu nous en parler. Ouais. Ça me revient. Mais bon, c'est... Non, c'est... C'est un bon film, ça? C'est un film un peu décevant. Moi, je mettrais 1,5. À partir du 19 septembre, en salle, La face cachée de Bernard Campan.